Salut les amis! Salut les amis! Aujourd'hui, on a une surprise! Alors, c'est la Piggy Bank. Oui. Voilà. Voilà. Ça se présente comme ça, c'est très mignon. Alors, voilà, donc là, ça montre ce que vous savez. Donc, c'est... Alors, une Piggy Bank, déjà, on va vous expliquer, c'est une tirelire. Donc, ça veut dire cochon en banque, une banque cochon. Oui, c'est français. Ça. Alors ici, comme on voit, on a une machine, donc on va poser la pièce dessus et en fait, Shinago va venir prendre la pièce. Avec son oreille. Va venir prendre la pièce. Ouais. Là, c'est écrit en japonais, évidemment, je ne comprends pas le japonais. Voilà, elle est très belle la boîte. Voilà, il y a les instructions. Elle est très belle la boîte. On va le voir. Regardez comment c'est trop mignon ici, c'est écrit en belle. Là, il y a un petit... QR code, tout mignon comme ça. Alors restez bien jusqu'à la fin de vidéo, on aura une petite surprise pour vous. Ah ça c'est bien. Voilà. Il faut des piles, c'est pas à brancher comme ça. Voilà comment elle se présente. Elle est très belle. Non, il y a une... Il y a du son. Vous... Qu'est-ce qu'elle va nous réserver cette boîte, cette pile. Donc là elle va l'allumer. Voilà. Là, c'est où on prend l'argent. Oui, c'est ça. Si on a trop d'argent, allez, on va tirer quand on le prend. La petite pièce. C'est trop mignon. C'est pour ça qu'il y avait du son. Et je sais pas qu'est-ce qu'il dit. On aurait dû réessayer une deuxième fois. C'était trop chaud. Donc, du coup, bah là, on va vous réessayer. Donc là, on va réessayer. Et en fait, là, elle va récupérer les pièces via... T'aurais dû éteindre. Non, c'est bon, là, éteint. Bon, j'espère que vous aimez bien la déco qu'on est. Hein. Comme je vous ai dit, on a une super surprise. On vient de la recevoir il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est assez compliqué à ouvrir. Donc, pendant ce temps, déjà, ici... Et si tu nous apportais la surprise en attendant. Ah oui, bonne idée. Bon, bah sinon, Luna, c'est pas grave. On va éviter de la casser quand même. Ouais, elle va rester comme ça en plus, elle sera toute mignonne. Bon, la surprise, elle va être spectaculaire. Vous allez voir, c'est vraiment très mignon. C'est tout doux. Voilà. C'est notre chinchilla. C'est, ça ressemble fortement à un rat, mais ce n'est pas un rat. Pas qu'un rat. Et aussi avec la petite queue, hein? Un écureuil. Voilà. Et comment elle s'appelle? Shinago. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument vous la montrer, car vu qu'on a fait une vidéo dessus, c'est ça, on voulait vous présenter. Elle était en train de dormir, là, on l'a réveillée. On regarde sa petite frimousse. Voilà. Donc, on va vous dire son âge. Enfin, déjà, elle est née, on ne sait pas vraiment, mais on sait qu'elle est née en juin, alors on a choisi le 24, parce qu'on l'a eu en décembre, le 24 décembre 2021. Et elle a eu un an il n'y a pas très longtemps. C'est une femelle. Elle est vraiment toute gentille. En vrai, c'est encore un petit bébé. Parce que nous, on l'aime tellement. C'est regardez notre petit bébé. Regardez cette petite main d'amour. Cette petite main est toute mignonne. Elle a des petits yeux. Bon, tu vas la... Je vais aller la remanger pour qu'elle puisse se reposer. Voilà. Et elle a... Les chinchillas, c'est connu pour avoir un poil dense et très, très doux. Bon, on va... On va vous pour ce pas, on va vous dire au revoir. On va peut-être attendre ta soeur. Voilà, merci. Et qu'est-ce qu'on aura dans les prochaines vidéos? Ah oui, de la nourriture et on va parler de la Japan Expo qui arrive. Donc surtout, faut nous suivre. Donc c'est pour ça, abonnez-vous comme ça vous suivrez nos aventures et vous suivrez. Abonnez. Likez et partagez à toutes les personnes. C'est ça, comme ça vous suivrez bien notre aventure. Au revoir. Au revoir.